L'atelier. Il est gros, il bave. On voit son slip quand il se penche, ses yeux vitreux. Il marche comique. Il est gros, il bave. Tous les jours, on les croise, lui et son slip. Des fois, il crie, il hurle, il bave. On comprend pas, mais il hurle. 2 mètres de carcasse qui hurle et puis plus rien. Il reste là. Gros, la bave, sale. On comprend pas ces mots, on comprend pas ses yeux, on comprend rien. L'infirmière vient le chercher dans la rue. Elle le ramène, le prend par la main. Lui essuie la bouche, la bave. Elle lui parle doucement. Le prend par la main, il se calme, marche à petits pas comme un ours fragile. Il sourit. On comprend pas ce qu'il dit. Il rentre à l'hôpital, dans sa chambre la télé. Il ne veut pas rester devant la télé. Descend à l'atelier. L'atelier, c'est ce qu'il aime. Ses yeux deviennent pointus. Il met son tablier et ses yeux deviennent pointus. Il s'approche de la toile, c'est beau. Les couleurs, les ronds. Il caresse l'odeur, il aime l'odeur. C'est beau. Il peint. Ses yeux deviennent pointus.